الله وبركاته إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de remercier d'abord Allah, le maître de l'univers, qui a voulu que nous soyons là en ce moment et qui sait pourquoi il favorise une telle rencontre. Que ses bénédictions et sa grâce soient sur notre vénéré prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, sur sa famille, ainsi que sur tout prophète véritablement envoyé par Dieu dans le but de tirer les humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Je voudrais également remercier l'association islamique Aïslam qui a fait tout ce qui était à son pouvoir, non seulement pour que cette conférence ait lieu par la grâce de Dieu, mais pour qu'Abdul Madid ne passe pas aussi inaperçu au Mali. Enfin, mes remerciements vont également à l'endroit de tous les frères et sœurs qui les ont peut-être moralement, financièrement et matériellement soutenus pour que cette conférence ait lieu. Que Dieu mette cela dans la balance de vos bonnes actions le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Vous êtes sans le savoir que les chrétiens et les musulmans ont plusieurs points de concordance doctrinale. Mais ils ont également des points de divergence, dont l'un d'entre eux, je dirais le plus épineux même, est celui de connaître l'identité exacte du Sauveur de toute l'humanité, c'est-à-dire du messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Et comme il vous a été signalé, comme l'a dit le modérateur, le thème que je me suis proposé de vous présenter dans le cadre de cette conférence, eh bien, il y a une série de thèmes. Peut-être que dans l'avenir, Inch'Allah, nous pourrions, n'est-ce pas, aborder d'autres thèmes. Il fallait déjà que je sois parti. Mais si je suis resté, c'est parce que les frères m'ont demandé de le faire pour que je puisse un peu rencontrer mes frères et sœurs musulmans et également des frères et sœurs chrétiens s'ils sont parmi nous. Donc le thème que je me suis proposé de vous présenter, c'est bien l'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Muhammad, Bible et Coran sur table. Cependant, je dois d'ores et déjà avouer que cette question, parce que là, vous l'avez compris, c'est cela le thème. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous allons ensemble avec vous essayer de répondre objectivement à la question de savoir quel est le messager de Dieu ou qui de Jésus-Christ ou de Muhammad, paix de Dieu soit sur eux, et le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Mais je voudrais d'ores et déjà avouer que cette question est à la fois difficile et facile. La question de savoir entre Jésus-Christ ou Muhammad, l'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus ou par Muhammad? La question est à la fois difficile et facile. Premièrement, elle est difficile parce qu'en réponse à cette question, les chrétiens disent toujours que cet ultime messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, c'est bien Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Partant, ils affirment inconsciemment que Jésus-Christ n'est qu'un messager de Dieu et non Dieu. Car Dieu ne pouvait pas venir sur la terre parler en nom d'un autre qu'il aurait envoyé comme l'a fait Jésus-Christ. De l'autre côté, les musulmans tirent également les drapes vers leur côté. Ils disent, ils affirment que cet ultime messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, c'est bien Muhammad, la paix de Dieu soit sur lui. Et la question, et cette question a lamentablement divisé les chrétiens et les musulmans. Pas seulement les chrétiens et les musulmans, les juifs et les musulmans,
les juifs et les chrétiens et les musulmans, et les musulmans et les juifs. Et cette division remonte historiquement à des siècles et des siècles, de sorte que les juifs continuent à aller à la synagogue, les chrétiens à l'église et les musulmans à la mosquée. Pourtant, ces trois peuples se réclament tous d'Abraham, le père des prophètes, le père des croyants, le centre de vertus humains et le champion des tawhid ou le champion de l'unicité de Dieu. Qui a raison et qui a tort? La question est posée. L'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Muhammad? Le prophète Salomon, fils de David, paix de Dieu soit sur lui, nous dit dans Proverbes chapitre 18, verset 13, dans la Bible judéo-chrétienne, il nous dit: insensé est l'homme qui répond avant d'avoir écouté. En d'autres termes, celui qui répond avant d'avoir écouté fait acte de folie et s'attire la confusion. Proverbes chapitre 18, verset 13. Donc il ne sert à rien de manifester notre fanatisme en tirant les drapes de notre côté respectif. Que devons-nous faire maintenant? Rappelez-vous que je disais que la question, cette question était à la fois difficile et facile. Et nous avons vu l'angle difficile de cette question. Mais là où la question s'avère être plus que facile, c'est lorsque nous nous rendons compte que personne d'entre nous ne peut être plus éloquent que Dieu, Jésus-Christ et Muhammad pour nous départager sur cette question. En d'autres termes, si nous tenons à répondre objectivement à la question que nous nous sommes posée dans le cadre de cette conférence débat, il va falloir que il nous faudra justifier notre position respective sur base des propres propos de Dieu, de Jésus-Christ et de Muhammad, contenu dans la Bible judéo-chrétienne ou encore dans le Coran et dans les traditions prophétiques. Pourquoi? Car il est dit, le premier point, le meilleur point de départ pour connaître quelqu'un consiste à l'interroger pour savoir ce qu'il dit de lui-même. C'est-à-dire, si Dieu avait envoyé Jésus-Christ et Muhammad, si celui qui les avait choisis, inspiré, puis envoyé, il est mieux placé que quiconque pour savoir vers qui il les avait envoyés. Et si Jésus-Christ et Muhammad ont tous les deux parlé au nom de Dieu, ils sont mieux placés que quiconque dans cette salle pour nous indiquer le champ de leur mission. La mission est-elle universelle ou non? Vous comprenez que la question devient plus que facile. Cela étant, donc je demanderai aux uns, aux autres, aux musulmans, aux chrétiens, s'ils sont avec nous dans la salle, de bien vouloir polir le miroir de leur cœur, de la poussière des préjugés et du fanatisme sectaire, et d'adopter plutôt l'attitude des juifs de Béret, dont il est question dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Je cite bien sûr la Bible. Lesquels juifs de Béret, nous dit la Bible, vérifiaient simplement les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai ou faux. Car nous exploiterons seulement les propos de Dieu, les propos de Jésus-Christ et les propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous départager sur cette question. Sans plus tarder, je vous annonce que le parcours de mon exposé s'ouvrira d'abord. Le premier point de mon exposé, donc je vais ouvrir mon exposé par ces points. Le premier point, c'est, je commencerai par rendre justice, ou je me dois de rendre brièvement justice au sujet des trois différentes images de Jésus-Christ. D'abord, je vais commencer par ce point. C'est-à-dire rendre brièvement justice au sujet des trois différentes images de Jésus-Christ, à savoir celle des juifs, celle des chrétiens et aussi celle des musulmans.
Vous savez comme moi que les juifs, les chrétiens, les musulmans parlent tous de Jésus. Mais malheureusement, ils parlent de trois différentes manières. Nous le verrons, Inch'Allah. Et juste après, nous passerons au concept définitionnel du terme « le sauveur de toute l'humanité ». Parce qu'il faudrait bien qu'on s'attende également sur ce point. Ensuite, nous parachuterons sur les critères que ce sauveur de toute l'humanité doit réunir ou remplir pour qu'il soit reconnu en tant que tel. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire que Jésus-Christ est le sauveur de toute l'humanité, ou encore que Muhammad serait le sauveur de toute l'humanité, lorsqu'il n'a pas réuni en lui les critères ou des critères qui feront qu'il soit reconnu en tant que tel. Parce qu'il y a des critères. Et ces critères seront tirés de l'esprit téléologique de l'axiome de la révélation divine. C'est-à-dire, ces critères ne sont nullement en contradiction avec l'esprit téléologique de toute la révélation divine. Et enfin, nous tirerons notre conclusion qui nous amènera à savoir lequel de Jésus-Christ ou de Muhammad est le messager de Dieu à l'humanité tout entière. En d'autres termes, c'est par lui que l'humanité tout entière sera sauvée, que nous le voulions ou pas. Je pense que je me suis fait comprendre. Et moi, je pense que toute personne en possession de ses facultés mentales ou toute personne avertie, présente dans cette salle, comprendra aussitôt après mon introduction que mon but, ce n'est nullement de chercher à blesser les sentiments de quiconque et moins encore de fausser sa foi. Le but de mon intervention est simplement d'aider le musulman et les chrétiens à trouver un terrain d'attente qui leur permettra d'avoir une idée aussi claire que possible sur le caractère universel ou non de la mission de l'un de ces deux plus grands messagers de Dieu. J'ai cité Jésus-Christ ou Muhammad, la paix de Dieu soit sur eux. Et nous savons que nous avons des défis à relever à notre temps, beaucoup de défis, nous les musulmans. Parce que franchement, ces jours-ci, il ne suffit pas du tout de dire que nous sommes musulmans, ou encore de dire « je suis musulman ». Encore faudra-t-il connaître l'islam. Et après avoir connu l'islam, il faut chercher à devenir une incarnation pratique des vraies valeurs spirituelles et morales prônées par, ou exprimées dans le Coran et expliquées pratiquement dans la Sunna du Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, nous devons œuvrer ou nous devons chercher à transmettre le message de l'islam à ceux qui ne l'ont pas encore entendu ou écouté. Et enfin, nous devons apprendre à défendre l'islam partout où il a besoin de nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle Shubuhat. Les ennemis de l'islam ont ouvert une nouvelle porte qui consiste à utiliser des versets du Saint-Coran et des traditions prophétiques hors de leur contexte respectif pour essayer d'attirer le musulman non averti dans les mailles de leur filet. Les ignorants parmi nous, bien sûr. Et ces Shubuhat sont présentement au Mali même. Il y a aujourd'hui des centres islamophobes au Mali qui œuvrent dans le but d'attirer les musulmans dans les mailles de leur filet. Et beaucoup de mes frères maliens n'en ont jamais entendu parler. Il aurait fallu qu'Abdul Majid soit de passage à Bamako par la grâce de Dieu pour que les Maliens découvrent qu'il y a un centre qui œuvre ici, qui travaille pour faire sortir les musulmans de leur religion. Cela va de même pour la Côte d'Ivoire. Quand j'ai visité la Côte d'Ivoire en 2001, c'est juste une parenthèse, j'ai été visiter une librairie chrétienne ou un centre chrétien qu'on appelle Centre de documentation missionnaire. Et le responsable, c'est un blanc qui s'appelle Victor Bissé. C'est un islamophobe qui a écrit pas mal de livres contre l'islam et contre le prophète Mohammed Sallallahu. Je suis rentré donc dans la partie librairie de ce centre. Et Dieu a voulu que je tombe sur des ouvrages, des petites brochures que nos frères chrétiens publient annuellement et notamment pendant le mois de Ramadan.
Et la brochure s'intitule 30 jours de prière pour le monde musulman. Mais dans cette brochure, il y a des stratégies qui sont arrêtées pour l'évangélisation des musulmans. Et qu'est-ce que j'ai trouvé dans cette brochure? Je pense que vous, si vous demandez les Ivoiriens, ils vous en donneront des nouvelles, quoi. Parce que la brochure a été publiée sur les lignes de beaucoup de journaux en Côte d'Ivoire. Et il y a même le frère de Ouattara qui a quitté sa région pour venir en parler à l'Assemblée nationale. Ça a causé des problèmes sérieux en Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai découvert cette brochure où on appelait à la destruction des mosquées, ou si possible, si ce n'est pas possible de les détruire, à la transformation des mosquées à des églises. La brochure, je l'ai même avec moi. Malheureusement, je l'ai oublié. Je l'ai ici avec moi, à Bamako, ici. Je l'ai avec moi. Je l'ai oublié, malheureusement. J'allais vous lire la partie concernée, quoi. C'était plus qu'horrible. Parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, en réalité, c'était une démarche visant à... C'était une épuration religieuse que les gens cherchaient. Mais la plupart des gens ne le savaient pas. Alors, ils ont demandé à planter la croix du Christ partout où il y a les musulmans. Mais moi personnellement, ça ne m'inquiète pas. Parce que même quand j'étais en Égypte, j'ai suivi un prêtre égyptien, c'est celui qui a ouvert la porte de Shubahat, qui utilise des versets du Saint-Coran contre les musulmans. Un prêtre qui s'appelle Zakaria Boutros. C'est un petit bébé spirituel perdu dans les grands déserts de l'ignorance. Donc, quand j'ai discuté avec mes professeurs en religion comparée, un jour je leur avais dit que, personnellement, j'aimais ce que les prêtres faisaient contre l'islam. Mes professeurs étaient surpris. Je leur avais dit que moi, j'aimais ce que les prêtres étaient en train de faire contre l'islam. J'aime ça. Ils me disent, mais comment... D'ailleurs, ils ne m'ont pas compris au départ. Ils m'ont dit, mais comment toi, tu peux aimer quelqu'un qui attaque l'islam, qui insulte les prophètes? Je leur avais fait savoir que non, je n'aimais pas la personne, mais j'aimais plutôt l'œuvre de la personne. Je voudrais que cette personne continue sa mission, qu'il attaque l'islam, qu'il insulte les prophètes, qu'il insulte les musulmans. J'ai dit, moi, j'aime ça. Mes professeurs m'ont dit, mais comment tu aimes ça? J'ai dit, oui. « Li annani a'rifu min asrari intishar l'islam huwa muhajamatu ala l'islam. » Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fil Qur'an, « Yuriduna litfi'u nur Allahi bi afwahihim » Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Je leur avais dit, moi j'aime ce que ce prêtre est en train de faire contre l'islam. Quand il insulte les musulmans, il insulte les prophètes, il raconte des bobards sur l'islam. J'aime ça. Parce que les attaques contre l'islam font partie des secrets que Allah lui-même a établis dans le Coran pour que ces attaques deviennent des moyens pour faire convertir les gens dans l'islam. C'est pourquoi Dieu dit dans le Coran, Yuriduna liutfi'u nur Allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ils veulent éteindre la vérité de Dieu par le souffle de leur bouche, par les mensonges et les bobards qui sortent de leur bouche et qu'ils propagent sur le Coran, sur l'islam et sur les musulmans. Mais Dieu fera une contre-attaque dans leur propre attaque et confirmera la véracité de l'islam, n'en déplaise aux mécréants. Donc j'aime ça. Quand les professeurs m'ont regardé, l'un d'eux est venu, il m'a fait un bisou ici. Vous savez, les Arabes, des fois, ils font un bisou au milieu du visage. Il m'a fait un bisou ici. Il était très content. J'ai dit, c'est comme si les versets n'existaient pas dans le Coran. Pourtant, les versets étaient là. Le problème n'est pas celui des ennemis de l'islam. Le problème est plutôt celui des musulmans eux-mêmes. Celui des musulmans eux-mêmes. Qui se contente de dire que je suis musulman, ou je m'appelle Abdoulaye, ou je m'appelle Abdulmajid, ou je m'appelle je ne sais pas qui, les noms musulmans, et je laisse pousser ma barbe, je porte une soutane, ça suffit. On ne travaille pas. On ne fait pas la dawa et la darajatil matlouba. Hazi al mushkila. Mais c'est seulement si nous respections nos engagements
et que nous prenions en charge l'islam, il n'y aura plus de problème. Et tout cela ne sera possible que lorsque nous ferons un premier pas, et le premier pas, c'est l'information, la formation et l'éducation. C'était juste une parenthèse. Donc je disais, je suis rentré dans cette librairie, donc j'ai trouvé ces brochures, et Dieu a voulu qu'avant que je ne rentre dans cette, pénètre dans cette librairie, le blanc en question s'est déplacé. Parce qu'il est juste écrit à la page qui faisait face à leur stratégie machiavélique contre l'islam, il était écrit ceci, il est strictement interdit, formellement interdit de faire voir ces livrets aux musulmans. Et également, il est interdit également de leur vendre ces livrets. Donc, mais Allah a voulu que les blancs se déplacent, et moi je suis rentré, et j'ai trouvé que tous ceux qui travaillaient dans la librairie, c'était des frères aveugles qui ne voyaient pas. Mais ils travaillaient la cartographie, ils faisaient la cartographie, parce que là, c'est là aussi. C'était des aveugles, mais ils travaillaient. Hein. Ils mangent à la sueur de leur front. Ils font des livres. Cartographie, ils arrangent, pourtant ce sont des aveugles. Ils travaillent. Alors j'ai pris au moins 10 exemplaires, et je l'ai présenté à l'un d'eux, qui m'a demandé à connaître le titre de la brochure. J'ai donné un autre titre. Mais je paye la valeur de la brochure. Vous m'avez compris? J'ai donné un autre titre parce que je savais qu'il était écrit, il est formellement interdit de le faire voir aux musulmans, et moins encore de leur vendre ces livrets. Donc, par peur qu'on m'arrache ces brochures, j'ai cité un autre titre, mais j'ai payé, je lui avais donné la valeur, l'argent qui convenait. C'était la valeur de la brochure, des 10 brochures en question. Et puis j'ai dispatché cela à l'imam Koudous, l'imam Samassi et d'autres imams en Côte d'Ivoire, Inch'Allah ta'ala. Donc bref, nous fermons la parenthèse, donc nous revenons au premier point. Je disais que le parcours de mon exposé s'ouvrira par le premier point qui est rendre brièvement justice au sujet des 3 différentes images de Jésus-Christ, à savoir celle des juifs, celle des chrétiens et celle de musulmans. Je jugeais bon de commencer par rendre justice à ces 3 différentes images, car comme je l'ai dit, les juifs, les musulmans et les chrétiens parlent tous de Jésus-Christ, mais malheureusement de 3 différentes manières. D'abord, pour les juifs, Jésus-Christ n'était qu'un être humain semblable au commun des mortels. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَّ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dieu dit très certainement, nous avons envoyé des messagers dans chaque prophète, dans chaque nation plutôt, dans chaque nation, pour leur dire, adorez Dieu, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, dans sa souveraineté, dans ses attributs, dans sa divinité et dans son adoration, et écartez-vous des œuvres de Satan. Il y a eu parmi eux que Dieu avait dirigé parce qu'ils ont voulu, ils ont cherché à être dirigés. Et parmi eux, ceux qui ont suivi l'égarement, et Dieu les a laissés dans l'égarement. Et Dieu défie l'humanité en disant Fasirou fil ard, fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin. Dieu dit sillonnez la terre et vous verrez les preuves même que Dieu avait envoyé des prophètes. Et vous verrez des preuves que des gens ont été châtiés pour avoir refusé le message, rejeté le message des prophètes. Dieu nous dit sillonnez la terre. Wallahi billahi. La science archéologique confirme aujourd'hui que aucune nation de cette terre, sur cette terre, n'a manqué, n'est-ce pas, de recevoir un prophète de Dieu. La science archéologique confirme ça. Que chaque nation a reçu de la part de Dieu un messager, la visite d'un messager. Et cela est reconnu même aujourd'hui par les chrétiens. Car dans un livre intitulé Manuel biblique de Halley, à la page 64, l'auteur chrétien protestant a fait rapport, rapportant les propos des archéologues. Il dit que dans chaque nation, il y a eu quelqu'un pour diriger les gens vers le droit chemin. Et il ajoute en disant, les archéologues affirment que chaque nation sur cette terre avait la connaissance du Dieu unique et adorait le vrai Dieu. Et que le polythéisme et l'idolâtrie n'ont intervenu qu'après le passage des prophètes pour égarer l'humanité. C'est-à-dire, ils connaissaient le vrai Dieu, mais après cela, l'idolâtrie et le polythéisme sont venus. Et les gens se sont détournés
de la voix de Dieu. Mais comment est-ce que ces choses sont arrivées? Sont-elles arrivées? Mais le Coran nous a annoncé cela. Le Coran, la science archéologique confirme cela, et le Coran nous a annoncé cela 15 siècles avant, en disant qu'effectivement, toutes les nations avaient la connaissance d'un Dieu unique et l'adoraient sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit. Mais c'est juste après que l'idolâtrie et le polythéisme ont fait leur apparition. Nous trouvons cela dans la même sourate que j'ai citée ici, sourate Nahl. Cette fois-ci, au verset 63, Dieu dit, s'adressant à son prophète, « Tallahi, laqad arsalna ila umami min qablik, fazayyana lahumu shaytanu a'malahum, fahuwa walihumu al-yawma, walahum azabun alim. » Dieu dit dans ce passage du Coran, chapitre 16, verset 63, « Tallahi, laqad arsalna ila umami min qablik, ô Muhammad, nous avons certainement envoyé des messagers avant toi, dans chaque nation. Mais après le passage des prophètes, Satan est venu. Il a embelli leurs œuvres. Il les a détournés de la voie de Dieu. Aujourd'hui, il est leur maître. Il dirige leurs affaires. Mais en dernier jour, ils vont grincer les dents. Donc le Coran confirme cela. Que chaque nation sur cette terre a reçu la visite d'un messager de Dieu. C'est normal que chaque nation puisse recevoir de Dieu la visite d'un messager de Dieu. C'est normal. Parce que tous nous avons été créés dans le noble but de vouer un culte pur et sincère qu'à Dieu seul. Mais là où il se pose un problème, c'est là où nous revenons dans notre thème maintenant. Parce qu'on a montré que le musulman avait une position réaliste. Chez nous, Jésus-Christ est un être humain, mais pas comme les autres, il s'agit d'un messager de Dieu. Nous croyons à sa naissance miraculeuse, c'est-à-dire qu'il est né d'une mère et n'avait pas de père. Mais le Coran nous montre clairement que cette façon de naître ne pourra en aucune manière nous étonner, car Dieu a créé Adam sans père, sans mère. Adam n'avait pas goûté à la France comme Jésus. Adam n'a pas porté de couche ou cache-couche comme Jésus. Adam n'a pas tété au sein d'une femme comme Jésus. Adam n'est pas resté dans les liquides amniotiques d'une femme comme Jésus. Adam est sorti adulte avec des barbes. Donc Ève est née sans mère. Adam était considéré comme étant son père parce qu'elle a été tirée de son côté. Et Jésus-Christ qui est né sans père avec une mère. Et nous qui naissons selon la loi commune avec des pères et des mères. Voilà les quatre façons dont Dieu a créé la race humaine. Et on nous dit donc que si Jésus, peut-être Dieu parce qu'il est né sans père et avait une mère, donc Adam serait plus Dieu que Jésus, parce qu'il n'avait ni père ni mère. Est-ce que vous comprenez? Mais malgré cela, Dieu nous montre que cela ne vous étonne pas. C'est ainsi que Dieu a créé les choses, et il a façonné Jésus dans le ventre de sa mère par sa parole de Kun Fayakun Iza Arada Shay'an An Yakula Lahu. Alors, mais nous les musulmans, nous ne croyons pas que Jésus soit Dieu. Nous ne croyons pas que Jésus-Christ soit le fils de Dieu. Nous disons simplement qu'il est un prophète de Dieu. Et nous ne croyons pas aussi que Jésus-Christ soit venu pour donner sa vie à la croix, afin que par la croyance, par notre croyance à sa mort sur la croix, comme croient les chrétiens, nous puissions obtenir le pardon de nos péchés et recevoir la vie éternelle. Nous disons que cet enseignement ne vient pas de Jésus-Christ. Jésus n'a jamais donné un tel enseignement. C'est pourtant les enseignements des chrétiens sur Jésus. Il faut bien me comprendre sur ce point. Ce n'est pas un enseignement de Jésus, mais un enseignement des chrétiens sur Jésus. C'est deux choses différentes, ça. Peut-être qu'il y aura des preuves. Des frères vont avancer des preuves pour montrer que non, nous avons tort. Et nous ne croyons pas que que les Juifs ont tué Jésus-Christ sur la croix. Et maintenant, le problème qui reste, comme on a dit que Dieu envoyait des messagers partout dans le monde, mais les juifs et les chrétiens et les musulmans sont unanimes pour dire que c'est de la descendance d'Abraham que Dieu devait susciter un prophète par qui l'humanité tout entière sera sauvée. C'est de la descendance d'Abraham, le père des croyants. Et c'est sur l'identité exacte de cet ultime messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée que les juifs, les chrétiens et les musulmans se divisent. Donc les juifs disent c'est leur messie. Pourtant, ils attendaient ces messies-là. Quand ils étaient encore dominés par les Égyptiens, sous la domination babylonienne, ils l'attendaient.
sous la domination médo-persée. Il attendait sous la domination grecque. Il attendait sous la domination romaine. Il attendait lorsqu'ils étaient persécutés par Hitler. Il attendait lorsqu'ils étaient persécutés par les chrétiens en Europe. Il attendait. Mais aujourd'hui, ils ne sont persécutés par personne. C'est eux qui dominent le monde. Et le Messie viendra alors les sauver en quoi, les aider en quoi? Si c'est eux maintenant qui dominent le monde. Il viendra les sauver, les aider en quoi? Parce que c'est eux qui dominent maintenant le monde. Alors si eux maintenant dominent le monde, même ceux qui les avaient persécutés hier, ils les dominent aujourd'hui. Où est le Messie? Nous disons non, le Messie est passé. Le Messie était déjà venu en la personne de Jésus-Christ, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et peut-être qu'ils attendent le Messie, leur Messie, qu'ils viennent les sauver contre les Arabes. Parce que c'est ce que les gens doivent savoir. Quand les Juifs étaient persécutés partout en Europe, ils n'ont eu la vie sauve qu'en s'exilant vers les pays arabes musulmans, où ils ont vécu en paix jusqu'à connaître leur âge d'or pour la première fois dans leur histoire, comme cela est confirmé par leurs propres historiens. Mais la reconnaissance de l'âne, ce sont des riades. Ils se sont retournés contre les Arabes et les musulmans. Allah nous dit, la ta'khizul yahoudou an nasara awliya. Ba'duhum ba'du awliya. Ne les prenez pas pour alliés. Ils sont alliés entre eux. Ils se sont retournés. Walakin, la ta'khumusa. La ta'khumusa. Kama kala Rasul Sassam, la ta'khumusa hata yaqtulul muslimoun al-yahouda. C'est ce que le prophète a dit. De tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les désordres ont tué les musulmans partout, tout, tout. C'est l'objet de la prophétie. Le prophète nous a annoncé toutes ces choses-là. Tout ce que vous voyez, les femmes marcher nues ici dans la rue, là, porter des habits n'importe quoi, faire des cheveux n'importe quoi, tout ça c'est l'objet de la prophétie. Le prophète nous a dit, vous verrez, il arrivera un moment où les femmes vont s'habiller, mais elles seront pourtant nues. Il a dit ça. Vous verrez un moment où les femmes seront habillées, mais elles seront pourtant nues. Ils feront des modèles déchevés. Leurs têtes deviendront comme des têtes de chameau. C'est le prophète. Long, avec des modèles de mèches. Le prophète nous a annoncé. Le prophète, elles vont transformer la couleur, même changer la couleur de leur peau. Il nous a annoncé cela. Ces choses doivent arriver. Et le prophète dit, il arrivera même un moment où une mère et sa fille se disputeront un homme. Ça doit arriver. Lisez les prophéties de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam relativement à notre époque. J'ai acheté un livre en Égypte en 3 volumes. Mu'jizat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam ma tahaqqaqa wa ma lam tatahaqqaq ba'd. Le prophète nous a annoncé sur toutes ces choses. Il nous dit, vous verrez les mosquées remplies. Les musulmans vont remplir les mosquées, mais sans droiture. Sans droiture. Le Coran sera lu, mais nous ne le mettons pas en pratique. C'est pourquoi l'autre fois j'ai dit, vous savez, aujourd'hui, il arrive même que lorsque l'un de nous, musulmans, il dit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Quand Satan attend ça, il écoute ça, Satan, Iblis, il rit. Regarde mon ami là. Il est en train de demander la protection de Dieu contre moi. Pourtant, juste après sa lecture du Coran, je serai avec lui dans son coin, là où il va faire les zinas. Donc, ta protection de Dieu contre Satan, là, ne l'inquiète même pas. C'est de l'eau versée sur le dos d'un canard, mon frère. Satan s'en moque, quoi. Il se moque de nous. C'est pourquoi le prophète a dit encore dans un hadith, « Wa minan nasi man yaqra'u al-Qur'an wa al-Qur'an yal'anuhu. » Il y a des gens qui lisent le Coran, mais le Coran les maudit. Il y a des gens qui lisent le Coran, mais le Coran les maudit. Comment le Coran peut maudire? Parce que quand tu as lu quelque chose dans le Coran, Dieu t'a interdit quelque chose et tu l'as fait après l'avoir lu, le Coran te maudit. Le prophète dit dans un autre hadith, Iqra al Quran ma nahaka. Fa in lam yanhaka falasta taqra'u. Le prophète nous montre que si ta lecture du Coran ne t'ordonne pas le bien et ne t'interdit pas le mal, alors sache que tu n'as pas lu le Coran. Parce que le Coran est venu pour ordonner le bien et interdire le mal. Ce n'est pas une lecture perroquée. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa
wa rahmatu lil mu'minin wa la yazidu dhalimina ila khasara wa dhalimuna nahnu muslimun fi hadha zaman. L'autre fois j'ai dit, parce qu'il y a un hadith qu'on aime souvent citer, où le prophète dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous, c'est lui qui a appris le Coran et il l'a appris. Alors les gens s'empressent à dire le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et il l'a appris, c'est-à-dire allazi ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu ila ghayrihi. C'est-à-dire celui qui a appris le Coran et il a enseigné aux autres. Non, ce n'est pas ça l'essence du hadith. C'est pas ça l'essence du hadith. Ça c'est le deuxième sens du hadith, parce que le prophète dit le prophète Dieu lui a donné l'éloquence. Il peut dire un mot, une phrase et cette phrase a 10 sens. Mais le premier sens qui est visé par le hadith, c'est lequel? Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu adamiruhu yarji ila hadha allazi ta'allama al-Qur'an. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et le Coran l'a appris. Oui, le Coran l'a informé sur ce que Dieu attend de lui, sur ce qu'il doit faire comme bien et ce dont il doit s'écarter comme le mal. Et il le met en pratique, c'est celui-là le meilleur. Et non, toi tu apprends le Coran, tu enseignes aux autres et tu oublies ta propre personne. Tu peux pas être meilleur. Le mot khayr en islam est lié avec le tatbik, la pratique. Khayr en islam, c'est avec la pratique. C'est pas avec la bouche. Alors bref, pour ne pas trop abuser de votre temps. Donc ici, le problème, c'est sur l'identité exacte de ces messagers. Donc les juifs disent, c'est leur messie. Et nous savons que le messie des juifs est déjà passé. Donc ils n'ont rien à attendre. Ils dominent déjà le monde. Et les chrétiens disent, non, ce messager est plutôt Jésus. Et les musulmans disent, non, ce messager est plutôt Mohammed. Mais qui dit vrai? Qui a raison? Nous avons cité une qaïda en disant, personne d'entre nous ne pourra être plus éloquent que Dieu, Jésus-Christ et Mohammed pour nous départager sur cette question. C'est pourquoi je m'en vais au deuxième point. Je vais aller rapidement parce que, Inch'Allah, le thème de cette conférence sortira dans l'avenir sur des supports audio et vidéo. Inch'Allah ta'ala. Et j'ai un autre thème que j'ai écrit en Égypte. On a travaillé ensemble avec mes professeurs qui s'insistent. Hal al-Masihiyya min 'indillahi am min 'indi shaytan? Intaha al-hiwar. Parce que c'était une réponse aux prêtres égyptiens qui attaquent les musulmans en Égypte. Alors bref, nous avons dit que nous allons traiter les concepts définitionnels du terme sauveur de toute l'humanité. Vous devez savoir, je m'excuse, ou je vais carrément les prendre par ici. Désolé, merci. Vous pouvez prendre des notes, c'est très important. Et il y aura des critères, les critères que ce sauveur de l'humanité doit remplir pour qu'il soit reconnu en tant que tel, c'est très important. Et ces critères, quand je l'ai traité avec beaucoup de pasteurs, chez moi et ailleurs, la plupart d'entre eux se sont convertis en islam sans même avoir écouté mes arguments. Les critères seulement. À partir des critères, ils ont compris qui était le messager de Dieu destiné à l'humanité tout entière. Mais je commence par le second point. Je dis qu'on va voir les concepts définitionnels du terme sauveur de toute l'humanité. Et j'aimerais qu'il soit clair que lorsque je parle du sauveur de toute l'humanité, vous devez le comprendre, du moins dans le contexte qui est le nôtre, vous devez le comprendre comme étant le messager de Dieu destiné à l'humanité tout entière. C'est-à-dire le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Car Dieu étant lui-même l'auteur du plan de salut de l'humanité, il demeure donc le sauveur de toute l'humanité par excellence, en majuscule. Donc quand je parle du sauveur de toute l'humanité, il faut comprendre par messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Alors, nous savons que le mot sauveur, c'est si... Lorsqu'on regarde dans les dictionnaires, on trouve que le mot sauveur, c'est quelqu'un qui qui tire quelqu'un du danger, n'est-ce pas? Qui tire quelqu'un du danger, qui lui apporte une assistance, qui le sauve de la mort, qui le sauve d'un malheur. Mais, dans le langage prophétique, les sauveurs de toute l'humanité, selon l'axiome de la révélation divine,
Le sauveur de toute l'humanité est une personne qui apporte le salut, qui préservera ses bénéficiaires ou les bénéficiaires de la destruction. En faisant quoi? C'est-à-dire, cette personne doit offrir et leur apporte le salut en leur offrant quoi? La première chose que ce sauveur de toute l'humanité doit offrir à l'humanité pour les sauver, c'est qu'il doit leur offrir une conception de Dieu dépourvue de toute idée polythéiste et idolâtre. Car vous êtes sans le savoir, vous savez comme moi que la première question en matière de foi, la première question dans les domaines religieux, c'est la connaissance de Dieu. Dieu dit, dans un hadith sur Qudsi, il dit « Arifuni qabla anta abudun » Connaissez-moi avant de m'adorer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à adorer Dieu avant de l'avoir connu. Nous devons d'abord chercher à connaître Dieu pour ensuite faire quoi? L'adorer. Et même dans la Bible judéo-chrétienne, Dieu dit quelque part dans le livre d'Osée 6:4, il dit « Mon peuple se perd parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc la première chose, c'est que ce sauveur de l'humanité doit offrir à celle-ci, c'est-à-dire à l'humanité, une conception de Dieu dépourvue de toute idée idolâtre et polythéiste. Et nous savons comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a présenté Dieu, comment il nous a décrit Dieu. C'est-à-dire, la nature de Dieu est résumée dans la sourate Ikhlas, que chacun de nous pourra lire. Le deuxième point, c'est que ce sauveur de toute l'humanité doit donner aux humains un code parfait de conduite et de moralité. Il doit offrir à l'humanité un code parfait de conduite et de moralité. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le problème du monde actuel, c'est un problème spirituel et moral. Tous les savants, tous les observateurs disent que le problème plutôt du monde actuel, c'est un problème spirituel et moral. On a perdu les repères spirituels. On a perdu le repère moral. Toutes les vraies valeurs spirituelles et morales de l'humanité sont presque détruites. Et quelques-unes restent exceptionnellement dans le monde musulman ou parmi les musulmans. Parce que si on cherchait même à comparer les taux de sida entre les pays ici, vous trouverez que les taux les moindres sera trouvé dans le monde musulman. Pourquoi? Parce que nous appelons l'humanité à se soumettre à un système que personne ne contrôle, si c'est Dieu lui-même. Alors que les autres voudraient nous soumettre à des systèmes que eux ont bidouillé, que eux ont créé et qu'ils contrôlent pour leurs intérêts égoïstes. Alors, le troisième point, ce que doit faire un sauveur, c'est qu'il doit donner aux humains des règlements ou des principes clairs pour leur gouverne social, économique et politique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas seulement été un prophète, il était également un gouverneur, il était un homme politique, il était un guerrier, il était tout. Le prophète Mohammed, c'est lui qui a étudié sa sira, le sait mieux que moi. Le quatrième point, c'est que le sauveur de toute l'humanité doit veiller à insister sans compromis à l'application de la loi divine sur toute la surface de la terre comme étant le seul et unique moyen par lequel l'humanité entière retrouvera la paix, la joie, le bonheur et la justice perdues dans les jardins d'Éden. Le modèle nous a été donné dans les jardins d'Éden où vivaient nos premiers parents Adam et Ève. Ils étaient soumis à la loi de Dieu. Ils ont connu la paix, la joie, le bonheur. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui œuvrent pour détourner l'humanité de la loi de Dieu. Et Dieu nous pose cette question dans le Coran. Afahukum al-jahiliya yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqawmi yuqinun. Dieu nous dit dans le Coran. Il voudrait suivre les législations des humains. Qui est meilleur que Dieu en matière de législation pour un peuple qui réfléchit, pour un peuple intelligent? Qui? Dieu a créé les êtres humains, il connaît mieux les êtres humains que quiconque. Il sait ce qui est mieux pour nous et ce qui ne l'est pas. Mais voilà que l'humanité d'aujourd'hui est entrée, il y a des groupes de gens qui œuvrent dans le but de détourner l'humanité de la loi de Dieu
comme l'a fait Iblis dans les jardins d'Éden. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils ont peur de l'islam, parce que l'islam invite l'humanité à retourner à la loi de Dieu. Alors qu'eux, ils voudraient détourner l'humanité de la loi de Dieu, comme Satan l'a fait dans les jardins d'Éden. Et c'est ce qui explique le conflit aujourd'hui dans le monde, quand on parle du choc des civilisations. Parce qu'il y a certains intellectuels modérés qui ne voudraient pas... Certains intellectuels musulmans, soi-disant intellectuels musulmans modérés, qui voudraient qu'on ne parle pas des chocs des civilisations, lorsque Allah lui-même nous parle des chocs des civilisations dans l'école. Il y a même certains intellectuels modérés en Europe à qui l'on a posé la question de savoir quel était leur avis sur la lapidation de la femme. C'était ça la question. D'abord, la question était mal posée. La lapidation de la femme. Est-ce que le Coran a-t-il recommandé que la femme soit uniquement lapidée? C'est cela? Où est l'homme alors? Donc c'est comme si le Coran avait dit lapider uniquement la femme, pas l'homme. Est-ce que vous comprenez? Alors ces intellectuels disaient, ah bon, vous savez, moi j'ai une autre position. J'ai une autre position, ça exige un débat, des histoires. Quel débat, mon frère? Dieu a dit un point entré. Si Dieu a institué cette loi, le but de cette loi n'est nullement de voir les gens se faire lapider, qu'ils soient hommes ou femmes. Le but de cette loi, c'est de faire peur aux gens pour qu'ils ne commettent pas la fornication et l'adultère. La loi ne concerne jamais les justes. La loi concerne seulement les injustes. Quand tu fais une gaffe, tu es frappé par la loi. Une fois, j'ai regardé à la télé des chrétiens qui quittaient une région du Nigeria. Il s'exilait ailleurs. Pourquoi? Parce que les musulmans auraient institué la charia. C'était à l'époque, ça fait longtemps. Alors on a interviewé un chrétien. On lui a posé la question de savoir pourquoi tu t'exiles ailleurs. Il a dit, mais non, les musulmans viennent installer leur charia. Nous ne pouvons plus vivre ici. Et moi j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Parce que les musulmans là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si tu couches avec la femme d'autrui, on te tue. Si tu es un voleur et qu'il s'avère que tu es un voleur à droit, tu voles même si tu as de quoi à manger, mais tu continues à voler parce que c'est ta profession, on te coupe la main. Si tu fais ceci, on te tue. Mais toi, tu fuis quoi si tu n'as pas l'intention de voler? Toi, tu fuis quoi si tu n'as pas l'intention de coucher avec la femme d'autrui? Mais parce que la loi ne concerne que les méchants. Et la Bible elle-même nous dit, là où la loi de Dieu est appliquée, l'impie ne restera jamais. Un point très. Donc la loi ne concerne pas le bon. Ça ne concerne que le méchant. Alors, donc, bref, je disais que. Et vous savez que Jésus-Christ lui-même, la paix de Dieu soit sur lui, quand il était sur cette terre, il faisait une prière. La prière que les chrétiens appellent la prière de notre Père qui est aux cieux. Mais en réalité, dans les textes originaux, il a utilisé le terme notre Seigneur qui est dans les cieux. Rabbuna Allahi fi sama. Et donc, dans cette prière, nous allons la lire comme ça se trouve dans la Bible. Il disait, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Mais quelle est la volonté de Dieu qui est faite au ciel et qui doit être faite sur la terre? Il faut faire très attention. Des fois, on fait des compromissions comme ça. Moi, je ne sais pas si nous, les musulmans, nous sommes en train de suivre Dieu ou nous suivons l'Occident. C'est ça un problème. Nous suivons Dieu ou nous suivons l'Occident? Parce que vous allez voir, les gens viennent par là, ils vont nous dire, bon, la démocratie, oui. Mais est-ce que Dieu est démocrate? Est-ce que Dieu est démocrate? Quand Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, la volonté de Dieu qui est faite au ciel, là, c'est la démocratie? C'est le communisme? Est-ce qu'il y a un parlement là-bas où les anges siègent et Dieu est là, ils font des débats avec Dieu? Mais Dieu règne au ciel à maître contesté, incontesté par sa loi, à maître incontesté, incontestable par sa loi pour le bien-être des créatures célestes, et il voudrait régner sur la terre à maître incontesté, incontestable par sa loi pour le bien-être des créatures terrestres. C'est ça. Mais reconnaissons également qu'il y a des musulmans qui font du tort à l'islam. Ça, c'est vrai. Reconnaissons cela qu'il y a des musulmans qui font du tort à l'islam, qui n'appliquent pas bien la loi de l'islam.
Et lorsqu'ils n'appliquent pas la loi de l'islam, les ennemis de l'islam saisissent la balle au bon pour faire quoi? Pour nous attaquer. Parce que la charia n'est pas... Même en Arabie Saoudite, il ne faut pas vous tromper. Hein? L'Arabie Saoudite actuelle n'est pas un modèle de l'islam. Il ne faut pas vous tromper ici. S'il y a des gens qui reçoivent de l'aide de l'Arabie Saoudite, ce n'est pas mon problème ça. Nous, on voit seulement l'islam. Parce que si nous partons aujourd'hui en Arabie Saoudite, c'est à cause de la Mecque et Médine. Hein? Sinon, l'Arabie Saoudite n'est pas un modèle de l'islam. Il ne faut pas vous tromper. Si l'Arabie Saoudite était un modèle de l'islam, je vous jure qu'il n'y aurait pas de pauvres musulmans sur cette terre. Il n'y aurait jamais de pauvres ici sur terre. Rappelez-vous à l'époque de Omar ibn Abdul Aziz, radiallahu anhu. Il y a eu tellement abondance de richesses jusqu'à ce qu'on n'a pas trouvé de pauvres à qui donner l'argent. On est venu voir Omar pour dire, il n'y a plus de pauvres à qui donner l'argent. Il a dit alors, est-ce qu'il y a des jeunes gens qui ne se sont pas mariés? Oui, ils sont là nombreux alors. Donnez-leur l'argent pour qu'ils se marient. Regardez-moi ça. C'est-à-dire, si ces gens-là avaient appliqué la loi comme il se doit, il n'y aurait jamais eu de pauvres sur la terre ici, pauvres musulmans. Wallahi billahi. Je vous donne un petit exemple. Regardez Obama. Le président, l'actuel président américain Obama, que nous aimons simplement parce qu'il est noir, pas parce qu'il va aider l'islam ou faire quoi. Tous ils sont dans le même panier. Que personne ne vous trompe. Tous dans le même panier. Mais nous l'aimons parce qu'il est noir. Et que les Noirs ont une histoire douloureuse aux États-Unis d'Amérique. Et Dieu a fait qu'il accède aux imams al-hukm. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dieu donne la royauté à qui il veut. Mais vous vous rappelez qu'il avait demandé au Sénat de voter le budget qu'il a proposé pour que le Sénat puisse adopter et voter ce budget afin de pallier au problème des Américains. Il a demandé qu'on lui donne combien? Vous vous rappelez? C'était combien? Rappelez-moi. Combien de milliards? Hein? Combien? 10 milliards. C'est pas 10 milliards, mon frère. 1000 et pas de 1000 aussi. C'est 700 milliards de dollars. Il y a eu 300 milliards qu'on a ajoutés après. Mais il a soumis d'abord une demande de 700 milliards de dollars pour pallier au problème des Américains, pas au problème du monde entier. Mais wallahi billahi, mes chers frères, l'humanité tout entière est estimée aujourd'hui à 6 milliards d'individus. Prenez 700 milliards, divisez-les en 6 milliards. Chacun de nous aura combien? Takbir. Takbir. Wallahi billahi. Si le système des Occidentaux était là pour le bien-être de l'humanité, on n'aurait jamais entendu des gens mourir de faim sur cette terre. Jamais. Ça, c'est seulement l'argent pour aider les Américains. 700 milliards de dollars divisé par 6 milliards d'individus sur la terre. Chacun de nous aura combien? Maintenant, prenez l'argent des Chinois, l'argent des Saoudiens, l'argent des Coréens, divisez ça. Chacun de nous aura combien? Vous comprenez cela? Afahukum al-jahiliya yabahoun. Ce sont les lois de la jahiliya, de l'ignorance, que les gens voudraient mettre en pratique. Dieu nous pose cette question. Alors que Dieu, c'est le meilleur des législateurs. Faites le calcul, vous verrez vous-même. Personne n'allait mourir sur cette terre de faim. Donc, bref, le cinquième point, nous disons, enfin, le Sauveur, il doit donner aux humains des enseignements clairs sur la vie après la mort. Le Sauveur de l'humanité, de toute l'humanité, doit donner aux humains des enseignements clairs sur la vie après la mort. Vous voyez, parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui croient, qui pensent qu'il n'y a pas une autre vie après celle-ci. Vous comprenez? Il y a aujourd'hui des gens qui croient en cela. Il y a des mouvements mystiques dans le monde, qui travaillent même avec beaucoup de dirigeants dans le monde. Et c'est ce qui explique leur sadisme. Le sadisme de certains vis-à-vis de leur peuple, parce qu'ils pensent que finalement ils ne comparaîtront pas devant le tribunal de Dieu pour être récompensés chacun selon ses œuvres. Parce qu'on leur enseigne dans ces mouvements mystiques. Moi, j'ai étudié à l'Institut pour une synthèse planétaire, c'est-à-dire là où j'ai étudié tous les mouvements mystiques. Maïkari, Rose-Croix, Ekanka, Fraternité Blanche, toutes ces histoires-là. Parce qu'il n'est pas de mes habitudes de condamner les crocodiles avant d'avoir été à la rivière. Il faut aller à la rivière d'abord. Voyez les dégâts qu'est en train de faire le crocodile. Là, vous pouvez porter un jugement sur lui.
Il ne faut pas seulement commencer à condamner quelqu'un comme ça et vous ne connaissez même, vous ignorez tout de lui, quoi. Donc j'ai étudié toutes ces choses-là. Et le centre a été fermé même le jour où mon ami, moi et mon ami, avons posé certaines questions aux responsables. C'est 3 jours après, le centre a été fermé. Et c'était sur la question de la réincarnation. Donc bref, il y a des gens qui pensent qu'après cette vie, il n'y aura pas une autre vie. Par conséquent, ils ont des droits de commettre toutes sortes, de faire n'importe quoi sur cette terre, parce qu'ils pensent qu'ils échapperont, ils échapperont au jugement de qui? Au jugement de Dieu. Alors, l'islam nous enseigne bien sûr qu'il y a une vie après cette vie, et Jésus-Christ également l'a enseigné. Et toute personne qui ne croit pas à une autre vie après celle-ci est comparable à un bébé qui est encore dans le ventre de sa mère. Vous savez, un bébé qui est dans le ventre de sa mère, si seulement on pouvait lui dire, toi petit bébé, sache que là où tu es, en dehors du ventre de ta mère, il y a une autre vie plus meilleure que celle que tu mènes là-bas. Est-ce que ce bébé nous croira? Est-ce qu'il nous croira? Mais quand il va sortir, est-ce qu'il aimerait encore retourner dans le ventre de sa mère? Personne. Parce qu'il va trouver que cette vie ici, que nous vivons ici, est plus meilleure que la vie dans le ventre de sa mère. De même, la vie du paradis est plus meilleure que la vie que nous menons ici. Parce que comme nous n'avons pas encore vie, nous sommes comme des bébés dans le ventre de nos mères. Parce que nous ignorons les réalités. Alors bref, je passe au troisième point rapidement pour finir. Le troisième point, nous avons dit, les critères que ce sauveur de toute l'humanité doit remplir pour qu'il soit reconnu en tant que tel. Quels sont ces critères? Nous allons ici, nous avons sélectionné un certain nombre de critères qui sont en parfaite harmonie avec l'esprit téléologique de toute la révélation divine. Et sur base de ces critères, nous pourrons, incha'Allah, répondre facilement à la question que nous nous sommes posée dans le cadre de cette conférence, à savoir, l'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Mohammed? C'est-à-dire, nous saurons finalement qui de Jésus-Christ ou de Mohammed est le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Le premier critère, c'est quoi? C'est très important. C'est là où je vous invite vraiment à prendre note. Le premier critère est le suivant. C'est-à-dire, pour que Jésus-Christ ou Muhammad soit reconnu comme étant le messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière, ou encore le messager de Dieu par qui toute l'humanité sera sauvée, Dieu, qui les avait envoyés, doit explicitement déclarer avoir envoyé Jésus-Christ ou Muhammad vers toute l'humanité. Vous m'avez compris? Parce que c'est Dieu qui les avait choisis, inspirés et envoyés. Donc il sait vers qui il les avait envoyés. Donc le premier critère, Dieu doit explicitement déclarer avoir envoyé Jésus-Christ ou Muhammad vers toute l'humanité. Le second critère est que Jésus-Christ ou Muhammad doit explicitement déclarer avoir été envoyé par Dieu vers toute l'humanité. C'est-à-dire lui-même. Parce que personne ne peut être plus éloquent que lui. Que Jésus ou Muhammad. Donc Jésus doit le dire et Muhammad doit également le dire. Et ils sont là, parmi nous. À travers quoi? À travers leurs écrits, leurs paroles. Le troisième critère est que Jésus-Christ ou Muhammad doit confirmer le caractère universel de sa mission en ayant de son vivant et pendant son ministère des disciples appartenant à d'autres nations que la sienne. Je me suis fait comprendre? Parce qu'il est absurde de dire que Jésus était envoyé à l'humanité tout entière ou encore Muhammad a été envoyé alimenté tout entier, lorsqu'on sait que de son vivant et pendant son ministère, il n'avait que des disciples appartenant à sa race et non à d'autres nations. C'est absurde. Celui qui a été envoyé alimenté tout entier doit avoir des disciples appartenant à d'autres nations pour confirmer le caractère universel de sa mission. Le quatrième critère, Jésus-Christ ou Muhammad, paix de Dieu soit sur eux, doit confirmer le caractère universel de sa mission en appelant les gens des autres nations à croire en lui
en tant que messager de Dieu envoyé également vers eux. Vous comprenez ça? Ça dit, nous devons voir Jésus-Christ de son vivant, appelé des non-israélites, israélites, pas seulement les juifs, appelé même des non-israélites à croire en lui. Et Mohammed également, appelé des non-arabes à croire en lui, pour confirmer le caractère universel de sa mission. Et enfin, le dernier critère est que Jésus-Christ ou Mohammed doit affirmer le caractère universel de sa mission en établissant les critères, c'est-à-dire en mettant tous les êtres humains au même pied d'égalité, et cela en établissant un critère de noblesse aux yeux de Dieu, n'est-ce pas, que la raison raisonnante ne peut refuser. Vous m'avez compris? C'est-à-dire, il est absurde de croire aujourd'hui que Jésus-Christ a été envoyé à l'humanité tout entière, ou encore Mohammed, si les deux n'ont jamais placé tous les êtres humains au même pied d'égalité. C'est-à-dire, par exemple, pour Mohammed, les Arabes sont supérieurs aux êtres humains. Ils sont plus valeureux, ils ont de la valeur que nous autres. Ou alors, pour Jésus-Christ, les Juifs ont plus de valeur que les autres êtres humains. Non. Il doit mettre tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. Vous m'avez compris? Ce sont là les cinq critères. Maintenant, on peut commencer avec le premier. Le premier est celui-ci. Dieu doit explicitement déclarer avoir envoyé Jésus-Christ ou Mohammed à l'humanité tout entière. Nous commençons avec le cas de Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Pour le cas de Jésus-Christ, tout lecteur de la Bible et du Saint-Coran sait qu'avant la naissance même de Jésus-Christ, sa mission a été annoncée à sa mère et le champ même de sa mission lui a été indiqué. Dans la Bible, je vais aller rapidement, vous les aurez, Inch'Allah, en détail sur le support audio, vidéo, visuel, Inch'Allah, dans l'avenir, sur le plein Tadier. Dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 31 à 34, Dieu avait prévu de conclure une nouvelle alliance avec les enfants d'Israël. Après que la première ait été abolie. Parce que l'alliance que Dieu avait conclue avec les enfants d'Israël à travers Moïse, dont la Torah a été le livre garantissant cette alliance, avait été abolie par les enfants d'Israël à cause de leur péché. Et Dieu, par sa grâce, a voulu conclure de nouveau une autre alliance avec les enfants d'Israël. Et cette fois-ci, le messager de cette nouvelle alliance n'était plus Moïse, comme dans l'ancienne alliance, mais plutôt Jésus-Christ. Et dans ce passage de Jérémie, Dieu nous montre clairement qu'il conclura une nouvelle alliance avec les deux maisons d'Israël, c'est-à-dire la maison de Juda au sud et la maison d'Israël au nord. Parce qu'après la mort du roi Salomon, fils de David, paix de Dieu soit sur lui, le royaume d'Israël s'est scindé en deux parties. Le royaume du nord qu'on a appelé Israël, qui avait pour capitale la Samarie, et le royaume du sud qu'on a appelé Juda et qui avait pour capitale Jérusalem. Et Jésus-Christ a vécu au sud. Donc Dieu a dit, je conclurai une nouvelle alliance avec les deux maisons d'Israël. Et le messager de cette nouvelle alliance, c'est bien Jésus-Christ. La paix de Dieu soit sur lui. Donc il a été annoncé cela dans la Bible. Et avant même sa naissance, dans Matthieu chapitre 1, verset 21, Dieu a envoyé un ange pour dire à Marie que tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il sauvera le peuple, son peuple, le peuple de Dieu, de ses péchés. Quel peuple? Matthieu chapitre 2, verset 6, toujours dans le Nouveau Testament, on nous indique le peuple en question en nous disant, « Et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Donc le peuple dont il est question, c'est Israël, et cela a été annoncé à Marie avant même la naissance de Jésus-Christ. Et le champ de la mission de son fils lui a été clairement indiqué comme quoi il était prophète de Dieu aux enfants d'Israël. Lui-même Jésus-Christ est venu. Dans le Coran, nous voyons cela. Dans la sourate Zukhruf, il y a un verset qui m'échappe un peu. Je pense au verset, est-ce qu'un cheikh peut me rappeler ce verset? Sourate Zukhruf, « Inna huwa illa abdun an'amna alayhi, wa ja'alnahu mathalan li bani Israël. » Dieu dit, Jésus-Christ n'était autre qu'un serviteur de Dieu, à qui il a doté du bienfait de la prophétie, et il a fait de lui un prophète pour les enfants d'Israël.
Et dans la sourate Imran, chapitre 3, verset 49 à 50, Dieu nous montre clairement, parlant de Jésus, il dit « Wa rasoulan ila bani Israël ». Donc il est le messager de Dieu aux enfants d'Israël. Ça c'est la part de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même dans le Coran, il dit « Wa idha qala Isa ibn Maryam, ya bani Israël, inni rasulullahi ilaykum, musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat » وَمُبَاشِرًا بِرَسُولٍ يَأْتِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَد. Jésus dit, s'adressant aux enfants d'Israël, « Ô enfants d'Israël, je suis le messager de Dieu envers vous. » Donc Dieu l'a envoyé vers les enfants d'Israël. Dans la Bible comme dans le Coran, Dieu affirme avoir envoyé Jésus-Christ exclusivement aux enfants d'Israël. Maintenant pour le cas de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'a dit Dieu? Dieu parla de la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. » Ô Muhammad, nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour tout l'univers. Pas seulement pour toute l'humanité, même tout l'univers, c'est-à-dire même pour les animaux. Parce que Mohammed sallam est le seul prophète qui a défendu les droits des animaux. Le seul prophète. Même les musulmans ignorent ce que le prophète a dit des animaux. Et c'est pas cette femme-là en France, comment on l'appelle encore? Brigitte Bardot. Lorsqu'elle voit les musulmans égorger les moutons pendant le pèlerinage, oh non, ils sont très mauvais, très méchants, ils tuent les animaux. Mais est-ce que c'est toi qui les avais créés? Mais le prophète a défendu les animaux. Jusqu'à ce qu'il a interdit aux musulmans de s'asseoir sur un animal s'il ne se déplace pas. Ça dit, quand tu as par exemple ton cheval ou ton âne et que tu arrives quelque part, tu veux parler avec des gens et que tu vas prendre par exemple 30 minutes, les prophètes te conseillent de redescendre, de descendre, de laisser l'animal respirer. Tu vois, il te conseille de descendre. Et il nous interdit de laisser un animal sous le soleil. Je le vis ici au Mali, partout, mon frère. C'était terrible. Vers Tombouctou, là-bas, Djenné, ainsi de suite. Non, c'est terrible. Là. C'était pas l'islam, ça. Le prophète nous a enseigné toutes ces choses-là. Il a donné des enseignements sur l'environnement, beaucoup de choses. Bref, donc, « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. » Ô Muhammad, nous ne t'avons envoyé que comme messager, comme miséricorde pour tout l'univers. Et dans un autre passage, Dieu dit encore, toujours dans le Coran, chapitre 34, verset 28, si je ne m'abuse, Dieu dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةَ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Donc c'est comme aujourd'hui, les adeptes d'autres confessions religieuses ou courants religieux qui n'ont pas encore reconnu, qui n'ont pas encore crié à Muhammad, ils font simplement partie de ces groupes de gens qui ne savaient pas. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ô Muhammad, donc ô Muhammad, nous t'avons envoyé à la totalité des êtres humains comme annonciateur d'une bonne nouvelle, le paradis, avertisseur d'un châtiment, l'enfer de Dieu. Mais cependant, la plupart des gens ne le savent pas. Je vais aller rapidement. Le deuxième point, c'est que Jésus-Christ lui-même, ô Muhammad, de Dieu soit sur eux, doit confirmer le caractère universel de leur mission en déclarant clairement avoir été envoyé par Dieu vers toute l'humanité. Lorsqu'on regarde les cas de Jésus, on trouve que même dans la Bible, Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 10, versets 5 à 7, il a choisi ses 12 apôtres. Et vous savez quel est l'ordre qu'il leur avait donné après les avoir choisis? Il leur avait dit ceci: n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Il les interdit formellement d'aller vers les non-israélites et même de rentrer chez les samaritains qui étaient leurs voisins. Des voisins. Et il dit, en chemin, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, et dites-leur que le royaume des cieux s'est approché. Regarde. Les apôtres vont, ils guérissent les malades.
Est-ce que les païens n'avaient pas des cas de maladie? Hein? Est-ce que les païens n'avaient pas des cas de maladie? Ils avaient des cas de maladie à guérir. Ils avaient des cas de lépreux à purifier. Ils avaient des cas de morts à ressusciter. Mais Jésus-Christ leur dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les samaritains. Laissez leurs malades et leurs morts. Allez plutôt chercher les 12, les brebis perdues de la maison d'Israël. Que cet enseignement ne vous étonne pas. Parce que c'est ce que font les Occidentaux. Lorsque, après avoir créé un conflit en Afrique, ils viennent récupérer leurs ressortissants. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Vous savez ce qu'ils font? C'est la même chose. C'est-à-dire, après avoir créé un conflit militaire en Afrique, parce qu'ils vivent, ils vivent des conflits, hein. Vous voyez? C'est-à-dire, ils vous poussent vers le conflit et le gouvernement achète des armes. Deux, l'opposition également, les rebelles achètent également des armes, et on se fond la guerre, on s'entretue, on détruise nos infrastructures sociales, et puis par après la guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous proposent une dette que nous ne saurons jamais rembourser. Nous acceptons la dette pour reconstruire le pays, et comme nous ne pouvons pas rembourser cette dette, et des fois même ils poussent les dirigeants à bouffer l'argent pour qu'ils ne remboursent plus la dette. Et donc si nous sommes en position de ne plus rembourser la dette, ils nous imposent leur volonté politique. Ils nous imposent leur volonté politique. Donc après avoir créé un conflit militaire en Afrique, quand ils viennent récupérer leurs ressortissants, vous savez ce qu'ils font? Ils ne prennent aucun Africain. Même s'ils viennent aussi au Mali, que Dieu éloigne la guerre du Mali. Qu'ils fassent que ces pays vivent dans la paix. Mais quand ils viennent en Afrique, wallahi billahi, un Africain peut pleurer et faire couler même du sang. Il va rester là. Nous sommes venus récupérer les Français. Tu n'es pas Français. Mais tu n'es pas Français. Nous sommes venus récupérer les Américains, monsieur. Ils laissent les Africains là. Et c'est ce qui est dit ici. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les samaritains. Allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Guérissez les malades parmi les Israélites. Purifiez les lépreux parmi les juifs. Ressuscitez les morts juifs. Ça c'est Jésus. La paix de Dieu soit sur lui. Il n'a pas tort de le dire. Parce qu'il a warasoulan, il a banni Israël. Il n'a pas tort. Parce qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël. Alors, dans un autre passage de la Bible, il dit, Matthieu 12, 24 à 26, à partir de 21 même jusqu'à 26, il y avait une femme samaritaine, cananéenne plutôt, qui n'était pas israélite, qui avait une femme possédée par un démon, et plutôt une fille possédée par un démon. Jésus fouillait les juifs qui cherchaient à les faire mourir. Il a quitté sa patrie, il s'est exilé, il est parti se cacher dans un territoire païen. La femme a entendu parler de Jésus. Elle est partie le voir. Elle lui a dit, maître, ma fille est tourmentée, sérieusement tourmentée par un démon. Sauve-moi. La Bible nous dit, Jésus ne lui répondit pas un mot, parce que Jésus était en train de marcher avec ses apôtres. La femme criait derrière, maître, maître, aie pitié de moi, ma fille est sérieusement tourmentée par un démon. Jésus ne s'est pas retourné. Les apôtres de Jésus, au lieu de lui dire, maître, cette femme est en train de crier derrière toi, secours-la. Les apôtres sont partis dire à Jésus, ont plutôt dit à Jésus ceci, maître, elle crie derrière nous, chasse-la. Il faut la chasser. Et tu sais ce que dit, ça c'est Matthieu chapitre 21, jusqu'au verset, chapitre 21, verset, chapitre 15, verset 21 jusqu'à 26. Ouais. Et tu sais ce que Jésus-Christ, vous savez ce que le Christ a dit, la paix de Dieu soit sur lui, il s'est retourné pour dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël veut dire j'ai été envoyé à l'humanité tout entière? Mais il y a des frères chrétiens, quand ils voient cette parole, ils disent, mais non, oui, c'est ça, mais il fallait qu'il commence d'abord avec les enfants d'Israël, puis après passer vers nous, quoi. Non, Jésus-Christ est plus que formel. Il a dit à la femme cananéenne, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et il a continué. La femme a dit, maître, secours-moi. Et Jésus se retourna pour lui dire encore, une seconde fois, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Vous avez compris ça?
C'est-à-dire, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait tenu un tel propos, oh, mais nous, on n'allait pas boire de l'eau ici. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit à une personne étrangère, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, mais ça aurait été terrible. Mais parce que si tu demandes à n'importe quel pasteur, qu'est-ce qui est pain, qui sont les enfants et qui sont les chiens? Quand je pose cette question, c'est terrible. Le pain, c'est quoi? Le pain, c'est l'évangile de Jésus-Christ et les miracles qui accompagnaient cet évangile. Les enfants, ce sont les enfants d'Israël. Et les petits chiens, ce sont les non-juifs. Tous les non-juifs. Allahu Akbar. Parce que les juifs considéraient les non-juifs comme étant, ils les qualifiaient des chiens. Parce que les chiens étaient un animal impur chez les juifs. Chez nous, en islam, c'est seulement le nez, la narine du chien qui est impur, mais son corps n'est pas impur. Mais par contre, chez les juifs, même le corps est impur. Alors la femme réplique en disant à Jésus, mais maître, le petit chien mange aussi les miettes qui tombent de la table de leur maître. Voyez ça, la sagesse. Ça dit, la femme lui dit, mais maître, je ne demande pas les pains des enfants. Je demande seulement les miettes qui tombent de la table du maître. Si vous me donnez ces miettes, ça ne changera rien du pain des enfants. Donc les enfants peuvent bien manger leur pain et les chiens se contenter des miettes qui tombent de la table du maître. Tu vois cette réponse-là? Alors quand Jésus a entendu cela, il a été vaincu par la réponse de la femme, parce que lui-même a enseigné une histoire, l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Dans la Bible, il a dit le pauvre Lazare allait rentrer dans la maison du riche et il se contentait des aliments qui tombaient de sa table. Et lui et le chien du maître, il mangeait ça. Donc il était au courant de cela. Alors quand la réplique de la femme a poussé Jésus à lui dire quoi? Selon la version de Marc, Jésus-Christ lui dira, femme, à cause de cette parole, va ta fille est guérie. Vous comprenez? À cause de cette parole, va ta fille est guérie. Alors souvent nos frères chrétiens disent, mais finalement il a assisté. Oui, il a assisté. Mais pourquoi l'a-t-il assisté? C'est pas parce qu'il avait une disposition intérieure positive de bien vouloir assister la femme. Mais c'est parce qu'il a été vaincu par la réponse de la femme et par la foi bravante de la femme qui n'était pas prête à lâcher l'affaire pourvu que sa fille soit guérie. Mais le pain était le pain des enfants. Si moi j'achetais du pain pour mes enfants à la pâtisserie ou à la boulangerie et que mon voisin venait la nuit frapper à ma porte, dire que non, mes enfants ont faim, je n'ai rien à leur donner, est-ce que vous pouvez me donner le pain que vous avez acheté pour vos enfants? Si je lui donnais le pain que j'ai acheté pour mes enfants, pour qu'il donne à ses enfants, est-ce que cela voudrait dire que moi j'ai acheté ce pain pour ses enfants? Non. C'est simplement une assistance en personne en danger. Mais cela ne leur donne nullement le droit sur le pain que j'ai acheté pour mes enfants. Mais nous retirons de cette qu'histoire que Jésus-Christ a clairement indiqué qu'il avait été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pourquoi dans le Coran il a dit وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Il a dit que je suis le messager dédié envoyé vers vous. Je dois vraiment me résumer à l'extrême, hein, pour qu'on finisse quoi, parce que même ma conclusion, je ne sais pas si je vais bien la tirer. Comme c'est la première fois que je prends la parole devant un auditoire malien, j'avais cette soif là. C'est pourquoi j'ai frappé un peu par-ci par-là quoi. Il y a des balles perdues. Donc le Coran confirme cela, que Dieu a dit qu'il n'avait envoyé Jésus qu'aux enfants d'Israël. Et Jésus lui-même confirme dans la Bible comme dans le Coran qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit de sa mission? Il est dit dans le Coran, Dieu lui dit, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Oh, vous les êtres humains, je suis le messager de Dieu envers vous tous. C'est Mohammed qui dit. Jésus a dit, il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mohammed dit, j'ai été envoyé à l'humanité tout entière. Sur le cas de Jésus, Dieu dit, je l'ai envoyé aux enfants d'Israël. Sur le cas de Mohammed, Dieu dit, il a envoyé Mohammed à l'humanité tout entière. Et Mohammed, sur l'ensemble, ne s'arrête pas là. Il ajoute, il dit, Bu'istu ila nasi kafa al-ahmar wal-aswad. J'ai été envoyé à la totalité des êtres humains, au blanc comme au noir. C'est le prophète qui le dit. Et il dit, Kana nabiyu yub'afu ila qawmihi khasatan wa inama ana bu'istu ila nasi ammatan.
Les prophètes disent, tous mes prédécesseurs, tout prophète envoyé avant moi n'a été envoyé qu'à son peuple. Mais par contre, moi, j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains. Ça, c'est Mohammed qui parle. Donc, les choses sont plus que claires. Le troisième critère, rapidement, parce que je laisse d'autres hadiths à côté. Le troisième critère, nous disons, Jésus-Christ, ça c'est le quatrième. Jésus-Christ ou Mohammed doit confirmer, c'est le troisième, hein? Jésus-Christ ou Mohammed doit confirmer le caractère universel de sa mission en ayant de son vivant et pendant son ministère, en ayant dans son entourage de son vivant et pendant son ministère des disciples appartenant à d'autres nations que la sienne. Mais je pense que sur ce point, il n'y a pas de commentaire. C'est vraiment non comment. Parce que Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, dans les livres des chrétiens, il n'a jamais eu un disciple appartenant à une autre nation que la nation juive. Nulle part. Il n'a jamais eu de nation non, de disciples non israélites. Nulle part jusqu'à la fin des temps. Mais par contre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça ne demande même pas un commentaire. Vous vous rappelez vous-même de notre frère Bilal, le noir. Il avait un disciple noir. Il avait un disciple perse. Il avait un disciple romain. Il avait des disciples venant d'Inde. Non seulement il avait des disciples appartenant à d'autres races, mais il leur avait dit que je suis le messager de Dieu envoyé à toute l'humanité. Il n'y a pas de commentaire. Alors, nous passons au quatrième critère. Le quatrième critère, c'est que Jésus-Christ ou Mohammed doit confirmer le caractère universel de sa mission en appelant les gens des autres nations à croire en lui. Ici encore, c'est sans commentaire. Jésus-Christ n'a invité aucune personne dans toute la Bible à croire en lui en tant que messager de Dieu envoyé également au nom israélite. Ça n'existe nulle part. Jésus a rencontré Pilate face à face. Il a parlé avec Pilate. Il ne l'a pas invité à croire en lui. Il a rencontré Hérode. Il ne l'a jamais invité à croire en lui. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a rencontré ni Pilate, ni Hérode, et moins encore l'empereur romain. Mais il a cependant écrit des lettres et envoyé à l'empereur romain un message pour lui dire que je suis le messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière. Il lui envoie un message, il envoie un message à l'empereur perse, il envoie un message au roi d'Égypte en leur disant je suis le messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière. Pourtant ces gens n'étaient pas avec lui à la Mecque, mais Jésus était avec eux en Palestine. Mais il ne leur avait jamais dit cela. Mais Mohammed qui n'a jamais été avec eux, il leur avait envoyé un message, les invitant à croire en lui en tant que dernier messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière. Le dernier point, et il convient, je vais ajouter quelque chose, parce qu'il y a des frères chrétiens qui disent, mais non, oui, mais si Jésus-Christ n'a pas invité quiconque à croire en lui, mais il a néanmoins envoyé ses apôtres à aller prêcher son évangile aux uns des autres nations. Je vous dis et je le redis, qu'il n'y a pas un seul verset de la Bible, du moins pour ceux dont les paupières de discernement ne dorment pas, qui dit que Jésus-Christ avait envoyé ses disciples aller prêcher l'évangile aux autres nations, à d'autres nations que la nation juive. Il y a des versets que les chrétiens citent, mais tous les chrétiens qui citent ces versets-là, ils n'en connaissent jamais l'essence. Et cela a été le cas de beaucoup de pasteurs qui m'ont rencontré dans mes multiples, lors de mes multiples conférences débats. Il y a des versets dans la Bible où Jésus dit à ses disciples, allez dans toutes les nations, faites des hommes, des disciples, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'ailleurs, vous allez voir que dans la Bible même, il y a des savants chrétiens qui vous disent même la partie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'a jamais figuré dans les textes originaux. Ça, c'est un premier point. Et puis nous allons peut-être essayer de traiter cela. Mais aller dans toutes les nations, est-ce que voudrait dire qu'il les a envoyés aller prêcher son évangile vers toutes les aux autres nations? Nous verrons la suite de la mission des apôtres et s'ils ont respecté cet ordre de Jésus en prêchant l'évangile aux gens des autres nations. Vous verrez cela. Mais ce verset a un sens et le sens n'a rien à voir avec l'évangélisation des autres nations. Incha'Allah ta'ala. Donc le dernier critère, je termine en disant que Mohammed
où Jésus-Christ ou Mohammed, paix de Dieu soit sur eux, doit confirmer le caractère universel de sa mission en plaçant les êtres humains au même pied d'égalité, en établissant un critère de noblesse basé sur la piété. Car il est pratiquement impossible ou absurde, il est inconcevable qu'on puisse dire de Jésus-Christ ou de Mohammed qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière si l'on sait qu'il considérait, il a élevé son peuple au détriment des autres peuples. Un messager de Dieu qui a été envoyé à l'humanité tout entière ne peut en aucune manière élever une autre nation au-dessus des autres nations. Il ne peut en aucune manière élever une race au-dessus des autres races. Il ne peut en aucune manière élever un peuple au-dessus des autres peuples. Pas du tout. Parce que lui, il est pour tout le peuple. Messager de Dieu. Jésus-Christ l'a fait? Pas du tout. La preuve est que ce que nous avons cité avant, nous avons dit, il a donné cet ordre à ses apôtres en leur disant, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il leur avait enjoint de guérir leurs malades, de purifier leurs lépreux et de ressusciter leurs morts. Pourtant, les Israélites n'étaient pas les seuls à avoir les cas de maladies et à guérir et de lépreux à purifier ou de morts à ressusciter dans la région. Il y avait des païens qui avaient ces cas-là. Mais ils n'avaient pas reçu de Jésus l'ordre d'aller les guérir ou les purifier ou encore ressusciter leurs morts. Et ce qui est grave encore, vous verrez, on va terminer bientôt, Inch'Allah, vous verrez que à l'époque de Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, les temples de Jérusalem, qui existaient à l'époque de Jésus, étaient divisés en quatre grandes parties. Il y a une partie centrale qu'on appelait Debir. Cette partie était en forme cubique, comme la Kaaba. C'est comme la Kaaba, cubique. Il y avait une pierre au milieu. Par contre, dans la Kaaba, il y a une pierre dans l'angle. Mais, à Jérusalem, la pierre était au milieu, et ils mettaient la Torah de Moïse dessus. Mais à l'époque de Jésus, la Torah n'était plus là, on ne la mettait plus là-bas. Parce que d'abord la Torah a été brûlée, puis elle a été réécrite par après. Et il y a des parties qui se sont égarées, quoi. Et ils mettaient la Torah là. Alors cette partie s'appelait Debir. Personne n'est rentré dans cette partie-là, si ce n'est le grand prêtre. Et il le faisait seulement une fois par an. Et quand il rentrait dans la salle de Debir, on lui attachait une corde au pied. Parce que s'il faisait seulement une erreur à l'intérieur, Dieu le tuait sur place. Et personne ne pouvait rentrer à l'intérieur, aller récupérer son corps. Donc il aurait fallu, il va falloir faire quoi? Le tirer. À l'aide de cette corde. On tire son corps. Et on va l'enterrer. Parce que Dieu, chez les juifs, il frappait directement. Pas, il frappe. Mais alors, venait la seconde salle, seconde partie du temple, qu'on appelait Hekal. Qui sépare la salle des prêtres avec le débit. Et après cela, venait la salle des prêtres. Les chiouchs, les chefs juifs. Et après la salle des chefs juifs, venait la salle des hommes israélites qui ne se mélangeaient pas du tout avec les femmes. Les juifs prient comme nous les musulmans, avec des inclinaisons, recours et des prosternations, soujoud. Des fois, quand j'ai fait des débats avec mes frères chrétiens, je leur demande, écoutez, si vous me montrez seulement un seul verset dans la Bible où un prophète de Dieu a prié assis sur une chaise, Je vous promets non seulement de devenir un chrétien, mais je vous promets également de porter une croix qui pèserait 20 kilos en cuivre, en signe de ma conversion au christianisme. Mais il n'y a pas un seul verset. Vous comprenez? Donc, là maintenant, quand je lance ce défi, en montrant que tous les prophètes de la Bible priaient comme les musulmans, ils enlevaient les chaussures, faisaient les ablutions comme nous, ils priaient avec des recours, prosternation, comme nous. Il n'y a pas un seul prophète qui a prié sur une chaise. Alors, maintenant à cette époque-là, donc là, au temple maintenant de Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? Après la salle des hommes, venait la salle des femmes israélites qui ne se mélangeaient pas aussi avec les hommes. Mais à l'époque, il y avait des Israélites, des non-Israélites, avant même que Jésus ne vienne, qui avaient embrassé la religion juive. Tout comme aujourd'hui, nous trouvons des non-juifs qui ont embrassé le judaïsme. Ça existait avant Jésus. Parce que Dieu avait dit à Moïse et à Salomon, j'ai vu que parmi les gens des nations, il y a des gens qui voudraient m'adorer et s'écarter des idoles. Alors s'ils veulent m'adorer, ils peuvent m'adorer, mais à une seule condition. Qu'ils se fassent circoncire, les chitanes, et puis qu'ils s'abstiennent de consommer des aliments impurs, dont les porcs et les autres viandes. Ils peuvent m'adorer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, les gens qui se sont convertis au judaïsme, là, avant que Jésus ne vienne, ils n'avaient pas droit de pénétrer dans les temples. Et quand Jésus est venu,
il a trouvé ces gens-là. Et vous savez qu'est-ce qui était écrit? En sortant du temple, il y avait une balustrade de pierre, comme une petite clôture comme ça, un peu basse, n'est-ce pas? Et sur cette balustrade de pierre, il était écrit, il est strictement interdit à toute personne n'appartenant pas aux 12 tribus de la maison d'Israël de pénétrer dans les temples de Jérusalem sous peine de mort. C'est-à-dire tout étranger, même s'il s'est converti au judaïsme, il ne pouvait pas pénétrer dans les temples. Or Jésus prêchait tous les jours dans les temples de Jérusalem, comme nous dit la Bible. Il voyait ces gens-là, il voyait ce qui était écrit, mais Jésus ne leur avait jamais dit, non, 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 détruisez cette balustrade ici. Pourquoi vous les mettez, vous les écartez des juifs? Et vous, les païens convertis au judaïsme, rentrez dans les temples, nous allons tous prier dans les temples, car nous sommes tous au même pied d'égalité aux yeux de Dieu. Il n'a jamais fait cela. Le seul prophète derrière qui toutes les nations ont prié, sans distinction des races et des langues, c'est bien Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont prié dans une mosquée, en une même langue, en regardant vers la même direction, en récitant, en prononçant les mêmes paroles et en exécutant les mêmes mouvements. C'était seulement derrière Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vous dit, « Ya ayuhan nasu, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid. » Allah, la fadl al-arabi ala ajami, wala li'ajami ala al-arabi, wala al-aswad ala al-ahmar, wala al-ahmar ala aswad illa bitakwa, wa khayrukum indallahi atqakum. Le prophète nous dit, oh vous les êtres humains, votre Seigneur est un Allah, votre Père, de qui vous descendez tous mathématiquement, Adam est un. L'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, ni un autre être humain supérieur à un arabe, ni un noir supérieur à un blanc, ni un blanc supérieur à un noir que par la piété. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Il dit dans un autre hadith, Inna Allah la yanzuru ila suarikum wa amwalikum la bal yanzuru ila madha ila qulubikum wa a'malikum. Dieu ne regarde jamais vos visages. Il ne regarde jamais ce que vous possédez comme richesse. Mais Dieu regarde plutôt vos cœurs. Et il regarde vos œuvres. Donc, bref, j'ai voulu conclure d'une manière longue, mais comme on a pris assez de temps, et que nous n'avons pas suffisamment de temps, pour conclure comme je l'ai prévu, je pense qu'il devient clair pour toute personne en possession de ses facultés mentales et dont les paupières de discernement ne dorment pas, que Dieu lui-même a clairement confirmé dans le Coran comme dans la Bible qu'il n'avait pas envoyé Jésus-Christ vers l'humanité tout entière, mais qu'il avait plutôt envoyé Mohammed vers l'humanité tout entière. Et nous avons vu que Jésus-Christ lui-même a déclaré avoir été envoyé par Dieu uniquement aux enfants d'Israël et non à l'humanité tout entière. Par contre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a explicitement déclaré avoir été envoyé par Dieu à l'humanité tout entière, et il a défié même en disant que tous ceux qui l'ont précédé n'ont été envoyés qu'à leur peuple respectif. Et nous avons vu que du vivant de Jésus-Christ, il n'a jamais eu de disciples appartenant à d'autres nations que la sienne, il n'a eu de disciples que israélites, et il n'a jamais appelé un non-israélite à en croire en lui. Par contre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a invité les gens des autres nations à croire en lui, et il avait clairement dit qu'il était le messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière. Et nous avons vu que Jésus n'a jamais invité quiconque à croire en lui parmi les gens des nations, mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des messages aux gens qui étaient plus loin de l'Arabie, pour les inviter à croire en lui en tant que messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière. Et enfin, nous avons vu que Jésus-Christ n'a jamais établi les critères de noblesse basés sur la piété en mettant tous les êtres humains au même pied d'égalité à son époque. Déjà, même après son départ, ses apôtres ont continué à croire que les juifs étaient supérieurs aux autres êtres humains, et les preuves sont dans la Bible. Mais par contre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité, et il a montré que le meilleur d'entre nous est celui qui craint Dieu le plus, simplement parce que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le seul messager de Dieu
issu de la descendance d'Abraham qui a été envoyé à l'humanité tout entière. En d'autres termes, l'humanité tout entière ne sera sauvée que lorsqu'elle acceptera Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et acceptera de vivre sous la loi apportée par ses prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit et je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.